Eh bien, bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est très spéciale. Aujourd'hui, c'est la vidéo revue de la palette de Heya Curly. Je suis trop contente, je suis tellement contente de l'avoir, je suis trop contente. Aujourd'hui, j'étais obligée de filmer ça. Bref, je pense que vous l'avez vu de toute façon de partout. Je suis pas la première à faire ma revue. Et je serai pas la dernière de toute façon. Voilà, c'est la collaboration de Heya Curly, qui est une youtubeuse française. Elle a juste un an de plus que moi quoi. Enfin, elle est de 98, je trouve ça fou. Voilà, donc sa palette, je vous ai fait aussi un close-up pour que vous voyez un peu mieux les couleurs et qu'elle n'était pas encore swatchée surtout. Enfin, utilisée. Qu'il y a vraiment de tout. Il y a du néon, il y a du pastel, il y a des highlighters. Enfin, vraiment très 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 joli. Voilà, j'ai essayé de faire ce look un peu à la Heya Curly, très coloré, tout ça. J'ai pas voulu faire genre un œil froid, un œil chaud. J'ai décidé en fait de mélanger les couleurs. Voilà, j'ai bien sûr fait des petits détails en clin d'œil à Heya Curly. Donc c'est une palette en fait de 14 fards et on a en tout donc 12 fards à paupières et 2 highlighters, qui a un très bon grammage hein. Les fards font 2,6 grammes et les highlighters font 8 grammes, ce qui est vraiment très bien. On reçoit la palette dans une boîte comme ça, voilà, elle est aussi emballée à l'intérieur. Moi j'avais très peur en fait qu'elle se casse, mais elle est très bien protégée. Bref, donc ça c'est vraiment très très Curly hein. À l'intérieur, vous voyez, on a tout un effet damier. Enfin, c'est vraiment très joli, je trouve que la palette lui ressemble à mes 1000%. Bref, cette palette était au prix de 20€. Je ne sais pas s'il y a du restock qui est prévu. J'ai vu que sur Instagram il y avait plein de concours pour les gagner. Donc voilà, n'hésitez pas à un peu fouiner à droite à gauche. Donc je vous propose ce look. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout est dans la barre d'infos. Et le tuto, c'est tout de suite. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint, voilà, j'ai juste mis mon bronzer. Cette magnifique palette, comment je vais me maquiller avec? Déjà, on va commencer par le blush. Je suis trop contente, vraiment, je suis tellement contente de l'avoir, je vous jure. Du coup, déjà, on va commencer par le blush, bien sûr. Comme conseillé par Curly, je vais utiliser la teinte Juicy, qui est un petit orangé pastel. Et elle dit qu'il est parfait pour le blush, donc nous allons l'écouter. Donc j'ai déjà mis ma Basepé Louise. Ma Basepé, mais je raconte n'importe quoi. Je suis beaucoup trop habituée en fait à écouter les vidéos des autres. En fait j'ai mis ma base Anastasia. Bon, parce que j'ai pas de Basepé Louise, mais j'ai n'importe quoi. Et là en fait j'ai très envie de me lancer dans un look. Un style de maquillage que je fais pas souvent en fait, c'est, vous savez, enfin plusieurs dégradés dans un seul œil. En gros, je fais un dégradé comme ça à l'intérieur, après je recoupe ma paupière, je refais un dégradé, je re-recoupe. Bref, on va voir ce que ça fait. Je sais pas si ça va être incroyable parce que j'ai des petites paupières, j'ai des paupières tombantes, yes. Mais j'ai vraiment envie en fait de sortir de ma zone de confort. Alors le truc en fait, c'est que je sais pas si je fais comme tout le monde, un œil couleur chaud, un œil couleur froid. J'ai quand même en fait envie de mixer les deux. A few moments later. Je prends la teinte Mars qui est... la teinte rouge, magnifique. J'espère qu'il est hyper bien pigmenté. J'ai beaucoup d'attentes en ce rouge. Les fards par contre ne sont vraiment pas... enfin en tout cas là le rouge, je... mais depuis tout à l'heure ils sont bien pigmentés et je le trouve pas trop poudreux dans le pan. Et il est bien rouge, à voir comment il se dégrade. Je prends un petit pinceau, je prends la teinte Tutti Frutti qui est le orange de la palette. Ok. Donc pour ce dégradé là on est bon. Je pense que je vais finir cet œil et je ferai l'autre œil après vu que ce sera les mêmes couleurs. Je vous montrerai juste dans quel ordre en fait j'ai décidé de les mettre. Donc là je prends du démaquillant et je viens démaquiller la zone à côté. Maintenant je vais prendre le violet 1998 qui est un violet très pigmenté d'après les vidéos que j'ai vues. Donc je le prends avec un pinceau boule. J'en prends un peu pour pas non plus que je galère à le dégrader. Et maintenant je vais venir dégrader avec le glacial qui est le petit vert menthe de la palette. Ça va faire une jolie petite transition. Alors là c'est normal hein, que le bleu se voit un peu moins bien. C'est un fard pastel, faut pas l'oublier. J'ai pas de base blanche. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus en transparence que dans le pan. Bon, cette couleur se verra un peu mieux de l'autre côté hein, parce que c'est vrai que là elle est pas trop mise en avant. Qu'elle est dans le sourcil, sur une petite zone. Donc maintenant je remets de la base. Et là par contre, ce que je veux faire, c'est un peu plus délimiter la
transition entre là. Voilà, je voulais vraiment qu'il y ait cette barre ici. Je prends un tout petit pinceau fin comme ça. Je prends la teinte pétillant ici, qui est un petit argenté gris. Je sais pas trop comment la décrire cette couleur. Et là, je vais venir faire l'arc ici, là, enfin une petite ligne. Donc je vais prendre la teinte Pink Gum, qui est le rose flashy de la palette, que je vais venir dégrader avec la teinte Citronade, qui est le pastel jaune. Il est trop beau. Peut-être ce que j'aurais dû faire juste avant, c'est que je vais prendre mon pinceau du beige. Je vais venir poudrer en fait l'intérieur de ma paupière parce que je vais rien mettre. Donc il faut que ce soit, même ça va m'aider à dégrader. Et juste voilà, donc j'ai reporté le rose en ratio inférieur et je le dégrade vite fait avec la teinte glaciale pour un peu faire un rappel à celui qui est en haut. Mais voilà, il marque pas très très bien sur la peau normale, hein, comme dit. Je répète encore, il faut une base blanche pour les couleurs comme ça, pastel. Voilà, aïe, je me suis fait trop mal. Donc je fais l'autre œil et je vous montre le résultat. Donc au niveau du travail des fards, on a terminé. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Les couleurs qui étaient ici, donc c'est 1998 et glacial, je les ai reportées ici dans mon creux, dans mon coin interne. Donc en fait ce qui était ici, je l'ai remis ici. Ensuite à la place là où j'avais mis pétillant, j'ai mis belle. C'est le fard doré ici. Par contre il est très fragile, très poudreux. Par contre il est hyper lumineux, je le trouve vraiment très joli. Même ça en highlighter sur une peau un peu plus mate, vraiment trop trop beau. Ça, ou en coin interne, vraiment trop beau. Ici, j'ai fait un dégradé entre, à la base du liner entre chew et acide. Donc c'est le bleu et le vert. Ils sont vraiment très beaux. Le vert est vraiment très joli. J'ai reporté aussi sur mon ratil inférieur. Ici, j'ai rajouté un peu de acide. Et la seule couleur que je n'avais pas utilisée, c'était la teinte Melody, qui est le violet pastel. Du coup, je l'ai rajouté un peu dans mon coin interne ici. Il est assez discret, mais enfin ça va. C'est assez joli. J'aime bien. C'est la première fois que je fais des make-up graphiques comme ça. Je vais faire eyeliner, je vais mascara, je vais poser des faux cils. Et après, on se retrouve pour l'étape de l'highlighter. Donc j'ai mis du liner, j'ai mis des faux cils, ce sont des Sozu, c'est dans cette gamme là, les gammes rouges, c'est le modèle Envy, ils sont vraiment trop beaux, c'est des trois quarts de faux cils je dirais, c'est pas des demi faux cils mais c'est pas des faux cils entiers non plus, donc en fait ils se posent que sur l'extérieur, ils sont vraiment trop trop beaux, merci la voiture qui passe. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et j'ai mis du crayon rose en muqueuse inférieure. Je sais plus ce que j'ai dit mais bref, vous avez compris. Mes highlighters préférés, moi, c'est des Beauty Bay dans une palette Lynn Baby Slight que vous voyez tout le temps. Et en fait là, c'est donc en fait des highlighters avec exactement la même formule de Beauty Bay. Donc en fait on a d'abord le Coconut Glow qui est assez doré je dirais. Et ensuite on a le Sweet Candy qui a plein de reflets violets, tout ça. J'avoue en fait que je sais pas trop lequel mettre. Peut-être que je vais mettre Sweet Candy du côté où j'ai fait le liner en fard en fait avec le pétillant. Et de l'autre côté, vu que c'est doré, le bel, je vais mettre Coconut Glow ici. Bah, je vais commencer d'abord avec Coconut Glow. Attention. Oh, je le vois dans le retour, il est hyper pigmenté. Oh là là, oh là là. En fait, j'avoue que j'en ai peut-être un peu trop mis. Va falloir remettre du blush parce que ça m'a tout gâché. Enfin, pas gâché, mais caché mon blush. Je le remonte bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est pigmenté. Je vais prendre Sweet Candy, qui est un peu plus poudreux. C'est beau. C'est trop beau. Avec des reflets violets. Et je vais aussi en rajouter dans les coins internes respectifs. Donc j'ai refixé une fois mon teint pour que vraiment toutes les matières se mélangent, tout ça. J'ai aussi rajouté un peu de blush. Maintenant, on va passer aux lèvres. En fait, avec ça, vraiment, on peut faire tout et n'importe quelle lèvre, hein, clairement. Avec du Yokorali, j'aurais eu tendance en fait à mettre du noir. Mais j'ai un gloss NYX en fait, celui-là, le rouge à lèvres. Vous savez, c'est les Shine Now, là, les hyper tendances, aucun transfert et tout. Et en fait, j'ai trop envie de l'utiliser, mais j'ai jamais le look pour. Et je crois qu'en fait, là, c'est tellement coloré que des lèvres hyper foncées, ça passera nickel. Après, si c'est pas bien, bah, j'enlèverai et je mettrai un nude. Voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment très envie de mettre ce rouge à lèvres. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai pas de crayon pour faire mon contour. Je vais essayer de le faire comme ça, Océane. Il faut vraiment pas se louper, par contre.
Ah, j'aime bien l'embout. Par contre, est-ce qu'il est tordu comme ça? C'est normal. Il faut vraiment pas se louper. Hein. Je trouve que j'ai vraiment bien réussi à l'appliquer. Sans contour. Je suis peut-être un peu trop partie là-bas. Par contre, vous voyez, c'est une texture en fait qu'après qui va sécher et qu'on peut pas garder juste comme ça. Il faut absolument mettre le gloss avec. Hein. Et là. Et là. Normalement, si je fais comme tout le monde. C'est trop cool. Je trouve ça vraiment trop bien. Bref, eh bien, je crois que le... Ah non, le look n'est pas terminé du tout. Que serait un look avec la veille des Coralie si on met pas de petits tampons ici. Enfin, n'importe quoi. Je mets un petit tampon en cœur. Je vais en mettre un là. Pouf. Et un là. Pouf. Tadam, ils sont pas très symétriques. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette? Je suis hyper heureuse de l'avoir. Je suis tellement contente pour Coralie en fait qu'elle ait réussi à faire ça. Je vous jure, j'étais tellement contente. Le packaging, tout est trop beau. Enfin, vraiment, j'adore cette palette. J'ai trop d'idées de look avec. Je la trouve vraiment trop trop bien. Enfin, je crois que j'ai rien à dire dessus en fait. Voilà. Vous pouvez faire attention. Il y a certains fards qui sont plus poudreux que d'autres. Mais moi, ça me dérange pas en fait. Tant que c'est poudreux mais que c'est pigmenté, ça ne me dérange pas. Je trouve que les fards ont été assez faciles à dégrader. Bon, là, après le violet et le bleu, j'avais un peu galéré parce que c'est dans une petite zone. Mais vous voyez ici, ça s'est super bien dégradé. Les couleurs sont super intenses, se dégradent bien entre elles, sont vraiment belles. J'aime beaucoup les highlighters. J'aime beaucoup aussi, j'adore les highlighters violets tout ça, mais j'avoue que quand même le coconut glow il envoie du lourd. J'aime beaucoup l'intensité, enfin vraiment trop beau, j'aime bien, j'adore ce look, je trouve, enfin c'est hyper coloré, c'est hyper Coralie en fait je trouve, avec le rouge à lèvres. Voilà, faut faire juste attention, un petit retour, j'ai certains dépôts de bleu sur mes dents, donc faut faire attention à surveiller tout ça. Je suis trop contente en fait que Coralie ait pu faire une collaboration, voilà, enfin bref je suis trop trop fière d'elle, parce que vraiment je la suis depuis... un bon moment maintenant, et moi je suis très contente qu'elle ait pu faire ça. Donc si vous avez aimé ce look, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, les liens sont en barre d'infos pour que ce soit plus simple pour vous pour venir me suivre. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce look vous a plu, si vous voulez m'encourager à continuer. Ciao ciao, à la prochaine.